Bonjour à tous les gamers et gameuses, aujourd'hui on est là pour la nouvelle saison de Warkfest. Elle est là et elle est sur le thème Carmageddon. Carmageddon, qu'est-ce que c'est? Ah oui, aïe, je m'en souviens. C'est sorti dans les années 97, donc sur PC et Mac. Donc c'est assez vieux, hein, c'est assez vieux. De toute façon, on voit bien, hein, au niveau des graphismes, c'est pas tout jeune. Le jeu est inspiré du film Le Course à la mort de l'an 2000 de Paul Bartel, sorti en 1975. Aïe. C'est pas tout récent. Ça, c'est pas tout récent. Donc voilà, on est sur le thème Carmageddon et on va voir ça maintenant. Donc voilà, on y est, on a la nouvelle saison. Alors c'est, je suis un petit peu de retard. Hein. Donc on va aller voir la boutique. Oh, le Eagle Hair. Pour ceux qui connaissent Carmageddon, eh ben c'est ce véhicule. C'est ce véhicule qu'il y a dans le jeu. Je l'ai pris. Ah, j'ai craqué. C'est super sympa. Donc là, on va tester un petit peu. Hein. Ça consiste à quoi, hein, tout simplement. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu, quelques années après, il y a eu des petits problèmes, hein, parce que, tout simplement, le but, c'était d'écraser des gens. Sur la console, hein, du coup, quand ça a été adapté, il y a eu un petit problème, en fait. Ça posait problème que les gens se fassent écraser. Ok. Et du coup, ils ont transformé les gens en zombies. Bah oui, parce que... Les zombies, on s'en fout. On les écrase, c'est pas grave qu'on les écrase. C'est pas important. On va passer au jeu, on va passer au D-Trace. Nous voilà au Devil Canyon, le circuit principal. Donc c'est même les pixels hein, d'époque. Hein, le... Oh. 3, 2, 1, go. Oh. Ouah. Donc là c'est une course, on est d'accord. On est d'accord. Là on gagne pas du temps. Hein. Là clairement c'est des points. Voilà. Tout simplement. Donc c'est un bon délire. Hein. C'est un bon délire. Je suis vraiment content ce que font Warcraft en fait, d'ajouter ce genre de délire. Hein, avec la saison dernière hein, qui était vraiment sympa. Enfin surpris, j'étais très surpris de cette saison. Ça venait de là. Très surpris de la saison. Et là encore plus surpris. Alors je m'attendais pas du tout à ça. Quoi. Alors là niveau graphisme. Dommage. Donc là vous voyez hein, c'est des zombies. Parce que ça passait pas du coup de mettre des vrais gens. Allez, comme d'habitude, hein, on fait le circuit comme ça, juste pour en mode touriste. Hein. Oh, une vache. Juste pour montrer, évidemment. On n'est pas là pour faire le best-of, le best-win du temps. Elle s'abîme très vite, cette voiture. Et après on va voir un petit peu si ça vaut le coup d'acheter cette voiture, ok? Parce que... Elle est bien. Voilà, un design qui est assez sympa. Mais par contre ce qu'il faut savoir, hein, c'est qu'on ne peut pas, la modifier. On ne peut pas la modifier, tout simplement. On ne peut pas la renforcer, on ne peut pas mettre des renforts. En tout cas moi j'ai pas eu accès. Donc ça peut déterminer en fait votre choix. Clairement, ça peut parce que du coup, si vous achetez la voiture dans l'attente hein, de l'équiper, de l'améliorer, tout ça, bah non. Alors, niveau moteur, oui, on peut. Niveau puissance, on peut l'améliorer. Par contre, la rendre plus forte, la tanker, on peut pas. Ça, c'est clair. Les nouveaux pare-chocs, tout ça, on ne peut pas. Ok. Allez, checkpoint. 52 4000. Il reste 15 secondes. Donc il n'y a pas une histoire de tour. Il faut faire le plus de points possible. Alors en fait, ouais, en gros, faut tout casser.
savonnette cette bagnole. Ok. J'ai pas eu les points, j'étais pas loin. J'étais pas loin, mais 67 000. Ok. Allez, on continue. C'est pas grave, c'est pas grave. On va pas déprimer. C'est pas la peine. Donc on a fait le Death Race, on passe au Carnage Accumulator. Rien que le nom déjà, j'adore. Rien que le nom. Allez, c'est parti. Donc là, j'allais dire un open world. Là, c'est vous êtes libre, hein, vous êtes libre totalement. Mais, il y a encore un système de points. Il faut faire le plus de points possible. Voilà. Si, c'est ça. Oui. Ok, si j'évite les armes. Donc il y a les autres, hein, il y a. Alors je pense pas que c'est. Ouais non, c'est pas des joueurs ça. C'est des bots. Alors des bots. C'est des joueurs gérés. C'est des joueurs gérés hein, par. Pas des bots. Ah je sais, c'est je suis fatigué en ce moment, je suis très fatigué. Donc là c'est pareil, on peut faire des sauts, on peut faire des trucs, hein. Il y a de quoi s'amuser, tout est pixelisé, ça fait des pentes. Salut toi. Alors, on va s'occuper de lui. Ouais, ça va être bien là. Allez! Oh, une petite vache! Allez, n'aie pas peur! Elle a un comportement assez bizarre. Mais si on fait gaffe, hein, je pense qu'il y a moyen. Oh non! Pas moi. Pas moi. Ok. Tant pis. Allez, accélère, 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 accélère. Ok. Je suis un jambon. Ah, puis elle est neuve en plus. Oh, viens là, toi. Ah, oh, une mamie. Et une mamie en moins. Attention, 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 attention. Laissez-vous faire les gars. Sérieux. Saleté. On va s'en occuper, ouais. Donc le 30 secondes c'est pareil, il y a un timing. Du temps. On a raté la mamie. Non. Ok, bon. Il va falloir creuser. Il va falloir creuser. Il va falloir vraiment creuser. J'aime le principe voilà, que Carmageddon soit là. Après, c'est au niveau de ce qu'il y a à faire que... et voilà. Hein, je suis un petit peu sceptique. Bon, bah voilà. On a vu un petit peu la nouvelle saison et la nouvelle voiture disponible dans le magasin. Hop, hop, hop. Ok, parfait. Eh ben, c'est parfait. Eh ben, écoutez, on se dit à très très vite. Prenez soin de vous. N'hésitez pas, le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Mais oui, évidemment. Si vous n'êtes pas abonné, vous attendez quoi ? Abonnez-vous ! Allez, ciao, ciao.